J'y vais. Oui. Yes. Une dinguerie, je te jure. Je me gare comme ça en planque. Je guette la maison d'en face. Le mec, il sort avec sa batte de baseball. Je siffle mon chien. Il se chie dessus. Il remonte dans sa bagnole. Il part. Je rentre avec le chien. Je ressors. Je le vois en train de taper sur la bagnole. Hein? Ouais, il est en train de taper sur la bagnole avec une batte de baseball. Alors donc du coup, je lui ai fait bouffer le mollet par mon chien. Mais c'est quoi cette histoire de fou? Ben oui, il me fracasse la bagnole, moi je te le dis. Je sais pas ce que tu es en train de réparer, tu fais de l'air réparation, oui. J'ai rien fait. C'est comme l'air guitare, mais avec le air moteur, quoi. Il y a la boutique qui vient de s'amuser avec moi là. Peut-être comment il m'a tout défoncé. Il a tout niqué. Il manque une calandre. La calandre, elle est morte. Oh là là, le bas de caisse qui traîne au sol. Il me l'a vraiment violenté. En fait, j'ai pas tout suivi à ce que t'as raconté là. Il tapait sur ta caisse? Ouais, il mettait des coups de batte de baseball sur la caisse. C'est où est-ce que t'étais rendu? Et devant un vol de maison. Ah, ok. Et je lui fais peur, parce que je chiffre le chien au moment d'aller examiner la maison. Je rentre avec le chien. On analyse tout, on récupère les empreintes, l'ADN et tout ça. Et quand on revient, qu'est-ce que je vois? Il est en train de taper ma caisse. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Croque, monsieur. Du coup, il lui a bouffé le mollet. Ah, pour le coup, t'as vraiment trouvé un bon nom là. Eh Oh merde, oui. excellent. Ah, vraiment bien vu. Du coup, voilà. Si tu veux un peu d'ADN, il suffit d'aller voir la bouche de Croc, hein. Ah, c'est pas moi qui fais. Je suis pas de la scientifique, hein. Mais Moi ouais. non plus. Mais je le récupère pour eux. Excellent. Ah non. J'ai trois empreintes du monsieur. À tout moment, on a les trois doigts. Hein. Vraiment une histoire de dingue. Ah, je t'ai dit. Pourquoi le mec il s'est attardé à vouloir bouger ta caisse, il est con? Mais je sais pas, il est trop con. En plus, je sors avec le Glock, je le pointe. Il dit, je vais t'enculer. Il fonce sur moi. Je dis, croque, monsieur. Voilà. Et après, Vraiment il lui a quoi. bouffé le mollet, quoi. Ah, Bon, en vraiment tout cas, je l'ai excellent. vu faire, j'aimerais pas qu'il m'attaque, hein, Croc, hein. Oh putain. Oh la mâchoire d'acier. Oh, il lui a bouffé comme si c'était un steak et qu'il n'avait pas mangé depuis 10 jours. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un Ah ouais. Oh, il lui a déchiré le mollet, hein. rat. Du coup, Oh, t'as il plus lui a besoin. arraché la jambe, hein. T'as pas besoin de lui donner à manger pour la journée, quoi. Ah voilà. Je vais lui donner une croquette par une croquette pendant toute la journée, hein. J'ai pas besoin de lui donner des poignées, hein. Oh, il a bouffé un mollet, le salaud. Histoire de Eh dingue. oui, il manquait plus qu'une insulte croque et puis ça serait devenu une passoire. Et jamais ce qu'on serait arrivé, il m'aurait demandé pourquoi il manque un mollet et le mec s'est transformé en Bob l'éponge. Du coup, t'as y a un mec derrière les barreaux, quoi. Ouais. Oh putain, t'arrêtes pas. Hein. Bah il faut rendre la ville plus sûre. Oh bah oui. Petit pas long. J'aimerais juste que mes supérieurs soient là parce que je peux pas intervenir réellement sans qu'il y ait de légitime défense. Ouais, Bon, là, il bah m'a ouais, bien j'ai bien compris. menacé. J'ai bien compris. Ah, sinon, tu En serais allé regardant droit avant. dans les yeux avec une batte, quoi. Il est vraiment con, le gars. Sinon, Il je aurait pu devrais se faire un home tirer. run, hein. Il aurait pu se tirer et. Je sais pas, tu vois. Ouais, il aurait pu se tirer. Ou j'aurais pu le trouer, mais au Non, mais final, c'est il aurait Croc pu qui se avait tirer faim, tout quoi. court, quoi. Il a pété un Ouais, plomb, c'est mec. vrai. T'es tombé sur un bon psychopathe, là. Ah bah, sadomaso, ouais.
Limite, il me regardait droit dans les yeux avec la batte en main et il me disait « Trouve-moi, trouve-moi ». Bon, au final, c'est mon chien qui l'a bouffé, quoi. Oh, je te jure, mais une histoire de Regarde-le, dingue. regarde-le, regarde, 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 quand je l'appelle, regarde sa mâchoire. Regarde sa mâchoire, comment elle est rouge. Ah oui, en effet. Putain, oh, il est dégommé dans la cuisse, moi je te dis. Oh, le mollet, il est parti, mais d'une force. Tiens, je te sens contact et on se voit plus jamais de nos vies. Tiens, voilà pour ça. Mais vraiment, c'est une histoire de dingue là ce que tu me racontes. Ah, mais je te jure. Voilà, c'est l'histoire d'une grande famille avec Croc. Je note ça sur la compta. En plus, je l'ai bien éduqué parce qu'à partir du moment où j'aligne le mot monsieur derrière le mot croque, bah il mange. Ça, je Tu veux le bien croire. contestes? Suffit que je te pointe du doigt et que je Non, dise le non, mot. non, 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 Ah non. bon, d'accord. Ça ira. J'en ai un aussi, un chien, je te rappelle. Ouais, mais niveau mâchoire, oh là là. Je te rappelle que le mien c'est un husky, c'est un loup quoi. Ouais, Ouais, c'est. le mien c'est un tigre. Ouais, non, mais le tien il fait un barouf pas possible quand il attaque. Le mien c'est un loup, il gueule pas, il t'attaque, il réfléchit pas, enfin, tu captes, il y a pas de bruit. Oh bah moi il réfléchit pas, juste il te regarde, t'as 3 secondes pour te dire merde, je suis mort, et puis après t'es foutu. Après tu me diras c'est un husky, hein. Dès qu'ils sont seuls ces chiens-là, ça gueule à la mort. Ah oui, sa gueule, oui. Dès que ça a besoin de baiser, sa gueule. Moi, dès que ça a besoin de baiser, ça baise. Ça ferme Bon sa ça c'est gueule. autre chose. Eh Du coup oui. attends la compta. Tiens, mange des croquettes. Mange les croquettes. Oui. 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 Il a mangé les croquettes. Oui, c'est ça, mon petit croc. Oui. Ça fait déjà 20 mois que t'es avec moi, et bien punaise. Oh là là. Tu t'arrêteras jamais de grandir. Ça n'a pas de sens à ce qu'il vient de dire. En fait, il faudrait même pas Maintenant, tu relever. vas être un vrai C'est tigre pas du un détail qu'il Bordel, faut moi je te le relever, ça. dis, hein. Tu vas faire Merde. grave, les gens ils vont faire ouh, et toi tu vas faire croc. Je t'ai bien appelé, hein, moi je te le dis. Oh là là, regarde-le. Ah, les perfs de ce serveur, quoi, Regarde-le. sont éclatés du cul. Regarde-le. Oh là là, mais il est trop mignon. Oh là là. Mais il croque. Il est trop mignon. Les perfs de chiottes de ce putain de bordel, là, c'est en train de m'en tailler. Terminer avec ta musique là. Ah vraiment c'est trop. Ouais, je vais pas retourner à paillage, je vais me poser devant. Je vais continuer de monter ce petit Discord là. Oui, c'est bref.
Nique toi. Elle a attendu bien ce chien et c'est barré. Ça l'aurait bien amusé que ça me fasse une fourrière à lui, je sais. Ça va pas. Bon. Mais il est déjà revenu. Et je l'entends pas. Et ouais, il est full bug ce serveur, gros. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais ça part en couille. Yo. Tu m'entends? Ah là, oui. Oui, je disais. Il y a un pro. Tu vois, là, je viens de faire un aller-retour avec la bagnole. Putain, le chien, il est quasiment aussi rapide que l'auto. Oh, je te jure. Ouais, bah après, c'est. Bref. Oh, c'est une Formule 1, hein. Il a pris 120 km/h, quoi, le chien. Oh, il m'a fait peur. Oh, je te jure. Bon, tu me fais une facture et. Je te l'ai faite déjà. Oui. Bah oui, j'ai déjà fait une facture. Oui. T'as fait la révision du moteur? Je t'ai déjà fait une réparation, une révision. T'en as besoin. Oui, mais là maintenant, Oh putain, mais il y a un c'est. camion de poubelle qui a voulu faire le test si je pouvais faire un limbo avec la Gros, je vais t'allumer bagnole. sur les factures, ça va t'apprendre à mieux conduire. Ouais, mais je conduis bien, je conduis bien. Gros, le véhicule est ramassé là. Putain. Pas marre de faire le singe avec son véhicule, lui. Ah, puis mon bâche qui a sauté quoi. Super. Au passage, hop. Un truc que j'aime pas aussi, c'est que. Quand tu sors ton téléphone, t'as plus le contrôle de. Personnage, ça c'est chiant. Putain, avec tout ce que je vais ramener comme moteur et comme bidouille, s'il a pas de quoi faire des kits, le patron, mon dieu. Oui, j'ai encore deux moteurs dans la camionnette, hein, si je Alors, me vois. mais gros. L'établi à ma gauche il est rempli, l'établi à ma droite il est rempli, et celui du milieu j'ai commencé à le remplir. Oh, ben, nickel. Ouais, il a de quoi faire. En vrai, on est large pour un moment. Là. Plus que large même. C'est pour ça que je vais à l'arpaillage en vrai. Je sais Il qu'il n'y a faut plus qu'il besoin. te up. Faut qu'il te up que tu puisses faire du kit de repas. Mais non, après, je sais pas. Bref. Enfin, oui, d'un côté, oui, parce que lui ça va le libérer, tu vois. Mais. Faut voir. Faut être patient. Alors celle-là elle est pas mal. Le capot ne s'est pas fermé, c'est bizarre ça.
fait la réponse. Ouais. Façon, j'ai pas la lune, mais bon. Non, vraiment, faut que tu sois plus précis dans ta conduite. Et que t'arrêtes de manger tous les panneaux. Oui, je te promets. Quand j'aurai une voiture de drift, tu n'auras pas de problème. Merci bien, l'ami. Tu vas où là? Tu vas où? Non, mais, ah oui, mais moi, la facture. Parce qu'il y a des ventes de drogue. Je vais aller voir les ventes de drogue. Attends donc tes collègues. Tu vas finir par te faire descendre à faire le con tout seul. Alors, oui et non, si je les attends, mais putain, les criminels, ils ont toute la journée pour faire la merde, hein. Ouais, c'est sûr. Écoute, Donc c'est toi qui bon, au bout vois. d'un moment. C'est toi qui vois. Vas-y. Allez, à toute, À plus Gary. tard. Quel grand malade. Moi je suis... Oh putain. Je me suis flippé. Alors j'en étais où moi? Tac.
exactly why I don't believe them. Goals, set them, achieve them. Joint, smoke them and leave them. 10 toes, no matter the season. Hot tub with my feet in. Living comfortably cheesing. Sometimes things ain't gon' work out how you think you want it to go. Sometimes you gotta keep going when you think you can't no more. Sometimes you can't depend on who you think you can no more. Sometimes you gotta try and figure it out. Huh. You know what, Playboy? They always gon' wonder why. You gotta have a brand new car. Or why you gotta have the flyest watch. But you know what, Playboy? You just gotta keep doing you. Cause can't nobody do you better than you. You look good doing it too, Playboy. And you know what else? Them haters. They just gonna keep hating, man. And when you on top, people always gonna want your spot. But you know what, Playboy? It's up to you whether you give it to them or not. You keep that in mind, Playboy. Mm-hmm.